Good morning, Aleiden, les tutres aujourd'hui, le Lingishmat Amram Yona Ben Hanapi, Gibatisser, Nissim Ben Aouda, Michel Novikov, aussi de Rufouat Rout, Bat Kolezin Train, Sim Rabat Massou du Betor, Charol Israël, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Michel, contactez à 5 minutes éternelles, nous étudions ma sécrétée de Yot, Périgimel, Mishnabet, Ochel Paroud, Enom Istaref, Divin Rabbi Dosa Ben Arkina, Savachachamim, Mourim Istaref, Mechalelin Maaser Genial Simon, Divin Rabbi Dosa, Vachachamim, Mourim, En Mechalelin. Matbilin Yadaim le Taharot, Divri Rabidosa, Vachachamim Omrim, Im Nitmo Yadav, Nitma Goufo. On continue dans notre Mishnah à rapporter toutes les discussions de Rabidosa Ben Arkinas et Chachamim. Tout notre Perek va s'occuper de ça, de voir le nombre de discussions, le type de discussion qu'il a eu entre Rabidosa et Chachamim sur différents sujets du chas, avec dans notre Mishnah trois sujets distincts, relativement simples, Bezrat Hashem. Premier sujet, ça va toucher au ilchot tuma vetahara, à savoir, cette fois-ci, lorsque quelqu'un d'impur rend impur, touche un aliment, quelle quantité d'aliments rend-il impur? C'est-à-dire, lorsque je suis impur, je vais toucher une énorme pastèque ou une grosse citrouille, je la touche d'un petit côté. Est-ce qu'on va dire que ce côté de la pastèque est devenu impur, mais le reste, il est resté pur? Pas du tout. La pastèque forme une seule entité. Si je la touche, je la rends entièrement impure. D'accord? Notion évidente. Maintenant, le problème devient un petit peu plus délicat lorsqu'on va parler d'un aliment composé de plusieurs petits grains. Ça peut être un plat de lentilles, des raisins, une grenade, le Barthanora rapporte encore, des noix, des cacahuètes, des amandes. Donc, plusieurs petites entités, on en fait un plat ou une petite monticule, je sais pas, moi je les entasse, et je vais toucher un élément. Est-ce que je rends impur tous les éléments ou non? Et le sujet va être double. À savoir, lorsque je touche un élément, est-ce que je rends tout impur? Et ensuite, si plusieurs aliments impurs sont ensemble, est-ce qu'un objet pur, un aliment pur qui va toucher un seul petit élément, va lui-même devenir impur? Parce que pour communiquer la Touma, il faut nécessairement un chiour de 1 kabeitza. Si par exemple, il y avait, on va prendre même un bout de gâteau, un gros aliment, une pastèque, j'ai pris de la pastèque, on reste sur la pastèque. J'ai rendu impur une pastèque. Si la pastèque, maintenant, va toucher un mâchequet, un jus, du jus de raisin, du vin, de l'huile, alors il va rendre ce jus impur. D'accord? Notion simple. Si toutefois je vais couper un petit bout de pastèque qui va pas avoir un volume de 1 kabeitza, alors si cette pastèque va toucher ensuite de l'huile d'olive par exemple, il ne va pas la rendre impure parce qu'il n'y avait pas de kabeitza. Donc le sujet il est double, à savoir les petits éléments qui composent un seul plat, une seule entité, est-ce qu'ils vont eux-mêmes recevoir tous la touma? Et ensuite est-ce qu'ils vont communiquer avec quelqu'un d'autre la touma? Et alors là, on parle de ça, ochel paroud, un aliment qui est composé de plusieurs prédot, des petits éléments qui sont chacun séparés, d'accord, des petits grains. Et non, mixtaref, il ne s'associe pas. Divrei Rabbi Dosa ben Arkinas, c'est la vie de Rabbi Dosa ben Arkinas. Va chachamim omrim, mixtaref. Selon chachamim, les petits éléments s'associent. Le Barthénora précise, Tosotium Tov, plutôt, il me semble. Ouais, c'est pas rapporté ici, c'est rapporté dans le Ravad. Et c'est rapporté ici pour le Tosotium Tov qu'on parle qu'il y a en réalité un mâchequet, un jus en tout cas. Qui relie les éléments pour en former une seule entité. Seulement dans un cas pareil, Chachamim pense que ça s'associe. Par contre, si ce sont des éléments bien distincts chacun, alors même Chachamim reconnaîtront à Rabbi Dosa que ça ne s'associe pas. Deuxième sujet de la Mishnah. Mechalelin maaser sheni ala simon, divrei Rabbi Dosa, va Chachamim omrim, en mechalelin. Le maaser sheni, lorsqu'on prélève une production agricole, premièrement, on commence à retirer la Touma Gdola, un cinquantième qu'on va donner au Kohen. Ensuite, on prélève un premier Maaser qu'on donne au Lévi. Ensuite, on prélève un deuxième Maaser qui s'appelle le Maaser Sheni. Ce Maaser-là, on le donne à personne, on le garde pour nous, mais il a une Gdusha, une sainteté, qu'il faudra manger à Yerushalayim nécessairement. En général, les gens venaient pendant les fêtes, on mangeait tout le Maaser Sheni à Yerushalayim. Ça faisait de l'ambiance, on avait plein de korbanot. On avait plein de fruits, de légumes, et comme ça, il y avait du shefa, d'accord, de l'abondance. Maintenant, lorsqu'on a une grosse quantité de maaser sheni, ouais, une énorme quantité, alors on ne va pas pouvoir transporter 5 camions à Yerushalayim d'oranges
qu'est-ce qu'on va en faire? Ça va tout pourrir, ça va pas pouvoir tenir. Alors la Torah a donné une solution, de faire le pidyon maaser sheni, on va être podé le maaser sheni, on va le racheter, transférer la kdusha des fruits sur une pièce, selon des conditions, ajouter un petit cinquième, et maintenant, la Torah, elle était makpida. Elle a bien précisé, attention, tu transfères la kdusha sur une pièce, et pas sur du chevet kesef. Si par exemple j'ai un beau médaillon d'or qui coûte 2000 shekels, je ne vais pas pouvoir transférer la kdusha des fruits sur le médaillon à la Yerushalayim et le troquer contre ensuite. C'est une fois que j'arrivais à Yerushalayim avec l'argent qui était kadosh, je devais racheter de la nourriture nécessairement. Alors je la transférais, et imaginez maintenant, je voudrais transférer la kdusha des fruits sur un médaillon à la Yerushalayim et ensuite troquer le médaillon contre des fruits ou même une vache, pour ensuite l'apporter en corban au Beth Amikdash, c'est aussi possible, eh bien, je ne peux pas le faire. Pourquoi la Torah m'a dit, Vetzarta Kesef Beyadecha, la Torah m'a dit, tu ramasseras le Kesef Beyadecha, elle insistait sur le mot Kesef, et donc pas sur du Cheve Kesef, quelque chose qui a une valeur d'argent, mais qui n'est pas lui-même de l'argent. Maintenant, donc tu m'as dit que tu dois nécessairement faire sur une pièce. Alors là, maintenant, le sujet de notre Mishnah va être de définir qu'est-ce qu'on appelle une pièce. À l'époque, la pièce, c'était d'abord un pesant d'argent ou un pesant d'or, qu'ensuite, il fallait frapper, faire le tiboua, d'où vient le mot matbea, quelque chose qui a été poinçonné. D'accord ? C'est-à-dire, on avait une rondelle d'argent ou d'or qui avait un certain poids. Ensuite, on partait, il y avait des offices du gouvernement qui vérifiaient que c'était bien kasher, qui était bien apte, il y avait le poids d'argent et tout ça. Et ils frappaient la pièce pour certifier qu'il y avait en cela, que c'était, donc c'était devenu une nouvelle pièce. Au marché noir, ou même pas forcément en tout cas, on faisait aussi circuler certaines pièces qu'on voyait nettement que c'était de l'or ou de l'argent, sans les poinçonner. À savoir, donc c'est le sujet de notre Mishnah. Est-ce que cette rondelle, ça s'appelle, c'est un petit peu, ça s'appelle un asimone, littéralement aujourd'hui un asimone c'est un jeton, il y avait encore à l'époque en Israël, lorsqu'on utilisait les asimonimes pour téléphoner, on allait acheter des jetons qui étaient justement des petites rondelles pas poinçonnées. Alors c'est le même principe ici, est-ce qu'on peut transférer la kdusha des fruits sur un tel asimone? Est-ce que le fait que ce soit quelque chose que l'on utilise dans le commerce lui donne un caractère de pièce, ou bien est-ce que le fait que ce ne soit pas encore poinçonné fait qu'il ne, ce n'est pas encore une pièce et c'est sur ça qu'il discute? Mechalelin ma'aser sheni ala simon. On est mechalel, on profane, c'est-à-dire on transfère la kdusha des fruits de ma'aser sheni sur un asimon, sur un tel jeton. Divrei Rabbi Dosa. Tel est l'avis de Rabbi Dosa. Vachachamim omrim en mechalelin. Et Chachamim pense qu'on ne peut pas transférer sur une telle pièce. Troisième sujet de la Mishnah. Matbilin yadaim lechatat, divrei Rabbi Dosa. Vachachamim omrim im nitmo yadav nitma gufo. Là, on revient dans le sujet de Taharot, avec cette fois-ci un sujet qui concerne Yadaim, Ilchot Yadaim, Tumat Yadaim, Masechet Yadaim. En réalité, ce sujet il est plus évoqué dans Masechet Chagiga, parce que au milieu de Chagiga, il y a là-bas tout un break qui parle de Tumat Yadaim, l'impureté des mains. Aujourd'hui, on fait Netilat Yadaim avant de manger du pain, sans souvenir à la Trouma. Succinctement, on va le faire très rapidement, Shlomo HaMelech a instauré tout un mode de Touma particulier, d'impureté particulier, qui est la Tumat Yadaim. Selon la Torah, ça ressemble un petit peu au même principe de la Mishnah d'ailleurs. Lorsque je deviens impur parce que un Sheretz a touché même mon petit ongle sans me toucher à moi entièrement, je deviens entièrement impur. Je dois ensuite partir moi me tremper et me faire toutes les lechot Touma Vetahara parce qu'une partie de moi, qui suis une seule entité, a touché une impureté. Maintenant, ça, ok. Pour pouvoir nous tenir à l'écart maintenant de la Touma, de bien surveiller l'Ilchot Touma Vetahara, ça a commencé à partir de Shlomo HaMelech, renforce ensuite à l'époque d'Hillel, et ensuite même Chachamim de la Mishnah, plus tard, en trois étapes ça s'est fait, mais en tout cas, Chachamim ont instauré tout un mode de Touma particulier, qu'on appelle la Touma Tiedaim. Afin de nous tenir bien à l'écart de la Touma, Chachamim ont instauré toutes sortes de choses, de situations où les mains vont devenir impures, mais en tant qu'une entité indépendante. Genre, parce que ma main va toucher un ochel ou mashke, un aliment ou un jus impur, qui était lui-même chéni, par exemple, alors ma main va devenir impure, et je vais devoir soit tremper ma main au mikveh,
mais que ma main, pas moi entièrement, parce que j'ai touché une touma très faible, ou soit même, selon le cas, selon le niveau, le sujet, le statut, faire netilat yadaim pour rendre pure ma main. On va considérer les mains comme quelque chose d'indépendant, comme une entité indépendante. Voilà, on va s'arrêter là pour l'introduction, le général. D'accord ? Donc on va retenir, par exemple, si j'ai touché un ochel sheni, un aliment qui était sheni, j'ai touché un œuf, un fruit, qui avait un niveau de touma qui était sheni la touma. Niveau 2, fils 2, ouais, on se rappelle de la famille, le aviavot, le grand-père, le mort, le père, et le fils premier, fils deuxième, fils troisième, c'est les 5 niveaux de la touma générale qu'on rencontre en général. D'accord ? Maintenant, selon le sujet, Chachamim ont hiérarchisé plusieurs types de Gdusha. C'est ce qu'on appelle les Ma'alot de Sheba Gdusha. Il y a par exemple, ça va concerner les L'chot Maaser Sheni, qu'on a évoqué précédemment, que le Maaser Sheni veut manger Betahara. Ça va concerner les L'chot de Trouma, ça va concerner les L'chot des Korbanot, ça va toucher aussi les L'chot, justement, qu'on appelle dans notre Mishnah, de Meichatat, l'eau d'aspersion de la Paradouma, comme ce qu'on va évoquer tout de suite. Selon le cas, puisque le sujet requiert un niveau de Gdusha et de Tahara, de sainteté et de pureté beaucoup plus élevé, Chachamim ont été beaucoup plus stricts selon les halachot. Soit pour du Khulin ou pour du Maaser Sheni, Chachamim vont peut-être dire que si ta main est devenue impure, ben tu fais Netilat Yadayim. Tandis que pour un autre sujet qui va être les Kochim, on va te dire non, pour le Kochim tu vas devoir nécessairement tremper ta main. Et là, on va découvrir justement qu'est-ce qui se passe lorsque tu as eu ta main qui est devenue impure et que tu vas vouloir, donc tu as un Kohen qui va vouloir asperger les Mei Khatat, l'eau d'aspersion de la Paradouma, de la vache rousse, pour impur quelqu'un. Ça, c'est le niveau le plus haut que Chachamim ont été le plus strict pour plusieurs raisons qui sont évoquées dans ma Sechet Ragiga. Donc c'est le niveau le plus strict, rigoureux, qu'il faut nécessairement particulièrement faire attention. Lorsqu'on a eu la main qui est devenue impure, est-ce qu'il suffit de tremper la main au mikvé, ou bien est-ce que tout le Kohen va devoir se tremper au mikvé pour devenir pur et asperger l'eau de Paradouma? Alors, il y a de nouveau une discussion. Où ça commence? Ah voilà. Matbilin yadaim la khatat. On trempe les mains pour le khatat. Les khatat, à l'intention, c'est les mei khatat. Les eaux d'aspersion qui vont rendre pur celui qui était impur par la Toumatmet. Alors, si ta main est devenue impure, Rabbi Dossa te dit, ben, tu trempes ta main en mikvé. C'est pas Netilat Yadayim ne suffit pas, mais c'est pas la peine que tu trempes entièrement. Divri Rabbi Dossa, tel est l'avis de Rabbi Dossa. Va Chachamim Omrim, Chachamim nous enseigne, non. Im nitmeu yadav, nitma gufo. Si ses mains ont été impures, c'est tout son corps qui est devenu impur, et c'est tout son corps qui va devoir tremper au mikvé. Ça ne va pas suffire de tremper uniquement sa main. C'est une chumra particulière qui était faite pour les mei khatat. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov Salah.